Rougeur, boutons, plaques, démangeaisons, c'est peut-être l'eczéma, la maladie de la peau la plus fréquente qui n'est pas contagieuse et ne résulte et résulte. Rougeur, boutons, plaques, démangeaisons, c'est peut-être l'eczéma, maladie de la peau la plus fréquente qui n'est pas contagieuse et résulte d'une inflammation de la peau. Au Cameroun, la prévalence de l'eczéma atopique est élevée chez les adolescents d'après une étude menée par une équipe des chercheurs dans la région du centre. L'on a tendance à négliger cette maladie qui passe parfois inaperçue et pour un bon diagnostic, il faudrait que des médecins soient formés et pour un bon diagnostic et bonne prise en charge, pour un diagnostic précis et pour un diagnostic précis et une bonne prise en charge, les médecins devraient être sensibilisés à cet effet. Et pour un bon diagnostic et pour un diagnostic exact et une meilleure prise en charge, des médecins devraient être formés à cet effet. Rougeur, boutons, plaques, démangeaisons, c'est peut-être de l'eczéma, maladie de la peau la plus fréquente qui n'est pas contagieuse mais résulte d'une inflammation de la peau. Au Cameroun, la prévalence de l'eczéma atopique est très élevée chez les adolescents d'après une étude menée par une équipe de chercheurs dans la région du centre. L'eczéma est une maladie que l'on a tendance à négliger et qui passe parfois inaperçue. Pour un diagnostic exact et une prise en charge efficace, des médecins devraient être sensibilisés à cet effet, comme les spécialistes que sont les dermatologues. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro de Check-up. Vous l'avez compris, ce soir est consacré à l'eczéma. Vous allez tout savoir sur cette maladie. Nous allons tout vous dire, bien entendu, avec notre spécialiste qui est sur le plateau. À tout de suite. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro de Check-up. Vous l'avez compris, il est consacré ce soir à de l'eczéma. Vous allez tout savoir sur cette maladie, bien entendu. Pour vous édifier là-dessus, il est déjà sur ce plateau, notre spécialiste de ce soir, le docteur Oscar Toa. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Mireille. Et merci d'être venu sur ce plateau, d'avoir accepté notre invitation. Alors, docteur. Oui, Mireille. Dites-nous, l'eczéma, pourquoi dit-on que c'est une maladie qui démange et qui dérange? Mireille, c'est très important de comprendre la notion d'eczéma parce que l'eczéma, comme vous l'avez si bien dit, c'est une dermatose inflammatoire qui a tendance à être chronique et qui se manifeste par des démangeaisons qu'on peut encore appeler prurites et qui sont des démangeaisons qui ont une intensité croissante. Oui. Et cet eczéma peut toucher le sujet jeune, l'adulte et même les personnes âgées. Et cet eczéma dont on est en train de parler peut vous ôter le sommeil. Alors, ôter le sommeil, comment savoir? Sur le plan clinique, l'eczéma va se manifester par une plaque, c'est-à-dire une partie de la peau qui est un peu soulevée, qui est épaisse et qui va démanger. Cette plaque démange, elle démange, et puis au fur et à mesure elle démange, elle s'élargit. Et elle peut évoluer vers des boutons et elle peut évoluer même vers des plaies. C'est pour cette raison qu'elle démange et qu'elle dérange. Et quel autre le sommeil? Alors, voilà. Ça vous empêche de dormir quand... Oui, quand vous démangez, vous ne pouvez pas dormir, naturellement. Si vous démangez tout le temps, si vous démangez même seulement une partie du corps, parce que l'eczéma, généralement, on peut avoir l'eczéma qui va toucher une partie de la peau, un segment de membre. Alors, dites-nous, quels sont les différents types d'eczéma? Ah oui, merci Mireille. Donc, comme on l'a dit tantôt, on distingue deux types d'eczéma. Il y a dans la classification aussi, on peut parler d'un troisième type. Donc, les deux types les plus fréquents, c'est l'eczéma atopique, qu'on appelle aujourd'hui la dermatite atopique, oui, et l'eczéma de contact. Le troisième type, c'est la dermite irritative, qui est une atteinte
qui est une irritation de la peau par une substance ou un cosmétique. Voilà. Donc, l'eczéma atopique, si on veut définir un peu, voilà. expliquer un peu, c'est une manifestation de l'atopie, c'est-à-dire d'une allergie, chez un sujet qui est génétiquement prédisposé. C'est-à-dire, l'atopie, c'est une notion qui est récente, c'est une prédisposition génétique à faire de l'allergie. Et parmi les prédispositions génétiques, on peut citer les personnes qui sont asthmatiques. Les personnes qui font de l'asthme vont transmettre ces gènes d'atopie à leurs descendants. Les personnes qui font de l'eczéma vont transmettre cette atopie à leurs descendants. Donc, on va voir des personnes qui ont des parents, qui ont des ascendants, qui sont asthmatiques, qui vont faire de l'eczéma. Donc, il ne faut pas aller chercher ça à l'hôpital. Généralement, quand vous êtes devant le médecin, vous demandez, est-ce que vous avez des asthmatiques dans la famille? Les personnes, maintenant, pour l'eczéma de contact, comme on a dit tantôt, ce sont des personnes qui exercent certaines professions, qui les exposent à faire cette allergie. Mais les facteurs dans l'eczéma de contact sont multiples, puisque aujourd'hui, c'est classé comme une pathologie professionnel. Alors, docteur, dans, tout à l'heure, à l'entame de ce programme, je le mentionnais, on dit que les adolescents, les jeunes, notamment les adolescents, sont les plus touchés par l'eczéma atopique au Cameroun, d'après une étude menée par ces chercheurs-là. Effectivement, les études menées dans la plupart de nos pays et certains pays de la sous-région, nous donne une prévalence mondiale de près de 2% de la population mondiale qui serait touchée par la dermatite atopique. La dermatite atopique ou l'eczéma atopique, c'est cette forme de manifestation de l'allergie qui va toucher plus l'enfant et l'adolescent. Mais sur le plan clinique, les lésions sont différentes dépendant des tranches d'âge. Donc, chez le nourrisson, c'est-à-dire le petit bébé de 0 jusqu'à 3 ans, les lésions du dermatite atopique seront beaucoup plus au niveau du visage, des zones convexes du visage, c'est-à-dire du front, des joues, du menton. On aura des plaques, une sécheresse de la peau en regard, on aura des plaques érythémateuses, et puis il y aura notamment le prurit, c'est-à-dire la démangeaison. Maintenant, chez le petit et le grand enfant, c'est-à-dire des 6 ans jusqu'à 10 ans, 12, 13 ans, les lésions, les plaques seront beaucoup plus au niveau des plis, c'est-à-dire aux plis axillaires, aux plis du coude, à face interne des coudes, et aux creux popliteux, c'est-à-dire derrière la jambe. Et puis toujours accompagné des démangeaisons et toujours une peau sèche. Donc la sécheresse d'apporter un facteur favorisant. Mais alors, docteur, il y a dans l'imagerie populaire comme quoi l'eczéma est un signe de la présence du VIH, c'est-à-dire que les personnes infectées par le VIH peuvent souvent avoir comme premier symptôme l'apparition de l'eczéma sur la peau. Qu'est-ce que vous en dites? Mais les personnes à VIH comme nous, les personnes immunocompétentes, peuvent faire de l'eczéma. Donc, ce n'est pas une maladie des personnes immunodéprimées. Non, non, c'est une maladie, tout le monde peut faire de l'eczéma, surtout l'eczéma de contact. Tout le monde peut faire l'eczéma de contact, puisque c'est une pathologie professionnelle. Comme on a dit tantôt, si l'exposition à certaines professions, les pétroliers, ceux qui travaillent dans les textiles, le nylon 6-6, les coiffeurs qui utilisent beaucoup les teintes, les substances dans les teintes qui provoquent de l'eczéma, ceux qui vont se faire coller les cils, qui vont se faire coller les cheveux, ils vont faire de l'eczéma au front, au niveau des paupières. Les personnes à la cuisine qui vont utiliser certaines substances vont faire de l'eczéma. Les personnes qui vont travailler au niveau, les techniciens de surface qui m'admirent beaucoup, les antiseptiques, ils vont faire de l'eczéma au niveau de leurs mains parce qu'ils doivent se protéger avec certains gants. Même nous-mêmes, le personnel de la santé, qui utilisons les gants en latex, vous pouvez faire un eczéma de contact, réagir. Vous, au quotidien, les personnes qui viennent pour consulter pour cause d'eczéma, c'est souvent quoi la principale cause d'apparition de cet eczéma-là? Ou le principal symptôme. Le principal symptôme. Exactement, merci. Mais alors, le principal symptôme dans l'eczéma, c'est le prurit, c'est-à-dire la démangeaison. Oui, parce que l'eczéma, c'est... Mais vous l'avez dit tout à l'heure que la démangeaison pouvait indiquer une gale. Oui. Elle pouvait indiquer une autre pathologie. Exactement, mais bien d'abord pour la démangeaison. Maintenant, c'est le médecin qui dit que non, ça, c'est pas une gale, ça, c'est de l'eczéma que vous êtes en train de faire. D'accord. Donc, c'est la démangeaison. Et maintenant, plus la démangeaison est importante, plus ça traîne, ça devient chronique, la plaque va devenir plus importante. On va mettre beaucoup de crème dessus, des potions,
toutes les décorsions, et puis la plaque va toujours persister. Donc quand la plaque persiste, accompagnée des démangeaisons, le sujet va venir se consulter, ou dire voilà, je me démange. Et puis souvent, quand la plaque d'eczéma est située dans une zone un peu, couverte, une zone un peu où on n'a pas l'habitude de montrer à tout le monde. Entre les cuisses, sous les seins, le ventre, voilà. par exemple, le patient, il faut un peu insister, voilà, pour que le patient... s'exposer devant le médecin. Je ne sais pas pourquoi, mais le patient a souvent de la peine, il dit non, ça me démange seulement, c'est quand... Souvent, la deuxième consultation, c'est le patient qui vient très habillé, ne veut pas se déshabiller. Mais quand ça persiste, non, docteur, maintenant là, vous allez voir. C'est comme vous me dites, non, c'était pas une simple démangeaison, c'était un eczéma. Donc, il faut. La simple vision permet de poser le diagnostic clinique. On n'a pas besoin d'examen complémentaire pour poser le diagnostic d'eczéma. Ah, c'est parce que vous êtes un spécialiste et que vous maîtrisez. Sinon, à la simple vue, tout le monde peut se tromper. Exactement. Vous l'avez dit, on a plusieurs types d'eczéma. On a des symptômes qui sont vraiment pas de l'eczéma. Je vais vous proposer de suivre ce reportage réalisé par Elisabeth Ngoroum et on revient juste après. Ces plaques sur cette peau représentent l'eczéma de contact chez une patiente porteuse de ceinture lombaire. L'eczéma est une maladie inflammatoire qui affecte principalement les enfants. Les statistiques parlent de 15 à 20%. Les adultes ne sont pas en reste. Un corps qui démange, une peau sèche et rougeuse, des petits boutons, l'eczéma provoque chez les personnes atteintes une envie irrépressible de se gratter. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les bébés sont les premières victimes avec des lésions les plus souvent présentes sur les zones rebondies du visage et des membres, mais également sur le cuir chevelu et le fessier. En grandissant, on retrouve les traces d'eczéma au niveau des plis des coudes, des plis des genoux, des plis des coups. Dans les rues de Douala, on essaie de savoir ce que les gens savent de l'eczéma. J'ai souvent vu les gens avec des inflammations sur la peau qui les gratte et puis à un moment ça devient des blessures. Généralement même, je doute que ça doit être une maladie due à l'eau sale, l'eau usée. Mais c'est une maladie qui s'attaque, ça démange, ça grandit sur le corps et ça rougit. C'est une maladie qui attaque la peau et qui se manifeste par des démangeaisons. Tu te démanges le corps et puis tu te sens un peu mal à l'aise, quoi. Parce que quand tu as ce genre de maladie qui attaque la peau, qui te démange la peau, tu ne peux pas être tranquille dans ta peau. Donc tu es mal à l'aise, tu te grattes. J'ai un cousin qui avait eu ça. Ça sort comme des brûlures. Je sais pas, ceux qui se réveillent le matin, ils ont trouvé que la peau était brûlée partout. It is cause. First, you can, like, oil that they rub on the body, you can contract it. If you buy a harsh oil, oil that does not go with your body, you can contract it. And then also, a dirty woman, when you don't bathe regularly, or when you bathe and you're not clean, yes, you can acquire eczéma. L'eczéma est un mal pouvant être causé par une allergie aux animaux domestiques, aux produits cosmétiques, aux aliments ou encore par l'hérédité. Les personnes vivant dans un climat sec et dans une zone urbaine sont eux aussi exposées à l'eczéma. It's just that it spoils your body. It does not like, it's not itching, it does not have any manifestation. It just spoils your body because you cannot wear anything that you want. You just need to cover your body. Ce genre de maladie peut parvenir peut-être de l'eau souillée. Tu peux te laver avec de l'eau souillée ou bien tu peux utiliser un mauvais savon ou bien un mauvais lait de toilette contrefait. Ça peut provoquer l'eczéma. Les interventions se limitent à réduire l'inflammation et à atténuer l'inconfort que l'eczéma engendre. Il s'agit des pommades adaptées, prescrites par des pharmaciens et des dermatologues.
Malgré les connaissances établies par la science sur cette maladie, bon nombre de personnes au Cameroun ignorent encore ce que c'est que l'eczéma. Retour sur ce plateau, docteur Oscar Toa. Bienvenue à vous qui nous rejoignez le programme C'est Check-up. Ce soir, nous parlons de l'eczéma avec un spécialiste, un dermatologue vénérologue. Alors, docteur, dans le reportage, on a écouté des Camerounais qui, pour la plupart, étaient un peu confus, ne connaissaient pas ce que c'est que véritablement de l'eczéma. Et on a vu les différentes parties qui sont affectées, les différentes parties du corps, bien entendu, qui sont affectées par de l'eczéma. Et on a vu les différentes formes, des plaques, des orteils enflammés, on dirait des blessures, docteur. Exactement. Alors, est-ce que l'eczéma a plusieurs formes? Là, on a vu qu'on n'avait pas que des plaques. Exactement. On a vu des brûlures, on dirait comme si c'était la brûlure. Exactement. Sur le ventre. On a vu des plaques, on a vu des blessures. Quelles sont les différentes formes d'eczéma alors et les parties véritablement propices au développement? Parce qu'on a même vu est-ce que ça devrait sortir partout? Donc, oui, Mireille. Les différentes formes et très les bien, parties Mireille. Propices, favorables au développement de l'eczéma. Comme je disais tantôt, Mireille, l'eczéma de contact peut toucher toutes les parties, mm-hmm. allant des parties intimes jusqu'aux parties les plus visibles. Par exemple, je peux vous donner une partie intime qui peut être touchée par l'eczéma de contact. Le port du préservatif chez un homme, il peut faire un eczéma de contact au préservatif. Donc, mm-hmm. ça arrive, souvent les gens se plaignent et quand ils viennent vous demander, mais est-ce que vous utilisez régulièrement? Je dis oui, voilà. Donc, vous voyez les lésions de l'eczéma au niveau de son organe génital. Donc, mm-hmm. voilà un peu. Donc, vous imaginez les boucles, le nickel qui est contenu dans les boucles peuvent vous donner de l'eczéma. Donc, vous voyez que vos oreilles, le lobule de l'oreille peut présenter des lésions d'eczéma. Mm-hmm. Et si la boucle pend au niveau du cou, au niveau des épaules, on peut avoir des symptômes. Donc, si je comprends bien, docteur, on peut avoir de l'eczéma. L'eczéma peut apparaître sur toutes les parties du corps. Maintenant, les différentes phases de l'eczéma. L'eczéma évolue en quatre phases. Mm-hmm. La première phase, c'est la phase érythémateuse. C'est-à-dire, l'érythème, c'est chez le sujet noir, c'est cette couleur un peu sombre, mm-hmm. sombre, violacée. Hein, c'est ça. Et si vous êtes un peu clair de peau, vous allez voir, cette partie va devenir sombre, violet. Voilà, ça c'est le début de l'eczéma. Mm-hmm. Et puis cet érythème souvent s'accompagne d'un petit œdème. Donc la peau en regard un peu édémaciée. Mm-hmm. Ensuite, c'est la phase vésiculeuse, mm-hmm. dont on appelle l'érythème. Les vésicules sont des petits boutons où il y a un peu de l'eau dedans. Mm-hmm. On peut voir ces vésicules souvent sur les pieds. Il y a des patients qui ont présenté un eczéma au niveau des pieds, au niveau des mains, qu'on appelle des eczémas dysidosiques. Mm-hmm. Oui. Ensuite, c'est la phase suintante. Donc, les boutons là vont se rompre et puis il y a un liquide qui va couler. Ça suinte. C'est ça que vous avez vu sur l'image de la dame. C'est un eczéma de contact qu'elle a porté une ceinture lombaire et puis son eczéma évolue jusqu'à la phase suintante. Après la phase suintante, c'est la phase desquamative. C'est-à-dire c'est la peau qui essaie de quitter pour faire place à une nouvelle peau. Mm-hmm. Et à partir de ce cycle, on peut faire plusieurs phase d'eczéma, on peut faire plusieurs cycles, c'est-à-dire le patient peut présenter chaque fois qu'il est en contact, des phases vont apparaître. Certaines phases peuvent être frustrées, c'est-à-dire on peut partir à la phase érythémateuse, à la phase suintante rapidement. Mm-hmm. Tout dépend de la quantité d'allergène qui a été introduit et tout dépend de la toxicité ou bien de l'inocuité de l'allergène qui est en contact avec le sujet. Donc, docteur, on comprend qu'on a plusieurs manifestations de l'eczéma en fonction de quel est l'allergène qui a provoqué votre eczéma. Exactement. Alors, est-ce qu'on vit totalement avec son eczéma? Est-ce qu'on vit toute la vie? Est-ce qu'il y a, ou c'est possible d'y remédier à un certain moment si on consulte rapidement? C'est une très belle question, mais aussi une question souvent difficile à répondre lorsqu'on est face au patient. Donc, si on parle de l'eczéma atopique, mm-hmm. l'atopique qui est une prédisposition génétique à faire des allergies, c'est un phénomène qui est intermittent. C'est-à-dire, mm-hmm. on grandit avec son atopie, on fait souvent des eczémas, on peut faire des poussées, et puis, un moment, ça peut partir comme ça peut ne pas partir. Mm-hmm. Maintenant, l'eczéma de contact, oui, on peut en guérir. Mais pour en guérir, il faut
faire une éviction totale de l'allergène. C'est-à-dire, il faut ne plus être en contact. Si vous mettez beaucoup les montres, il faut ne plus mettre la montre. Sinon, vous allez faire de l'eczéma. Si vous mettez beaucoup, ce n'est pas des boucles, il faut préférer des boucles qui contiennent des métaux purs comme de l'or, de l'argent, si vous tolérez les métaux purs. Si vous mettez des habits en nylon 6-6, il faut abandonner. Si vous mettez beaucoup du cuir, qui est soit souvent tanné avec du cuivre, vous pouvez faire de l'eczéma. Donc, il faut faire l'éviction de l'allergène pour pouvoir en guérir. Et si on n'arrive pas à identifier l'allergène, on doit faire des tests cutanés, des tests allergéniques pour pouvoir dépister quels sont les différents, peut-être, ça peut être quelque chose de votre environnement qui provoque cet eczéma. Donc, on peut en guérir pour l'eczéma de contact, mais l'eczéma atopique, ça, c'est Dieu qui connaît. On vit avec toute la vie. Et donc, alors, on va quand même, c'est vrai que tout à l'heure, vous êtes rentré une fois de plein pied. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas avoir de l'eczéma? L'une des premières règles dans l'éviction de l'eczéma, c'est l'hydratation cutanée. Il faut bien hydrater la peau. Hydrater la peau, ça ne veut pas dire qu'il faut se verser, il faut se laver avec de l'eau, non. Il y a des crèmes qu'on appelle des émollients, des crèmes simples qui sont conçues juste pour hydrater la peau. Donc, il faut vous appliquer les crèmes, surtout pour les personnes qui ont des peaux sèches. Vous devez vous hydrater la peau au minimum deux fois pour les personnes qui ont la peau sèche à très sèche. Les personnes qui ont une peau normale, c'est-à-dire une peau mixte, ils doivent appliquer au moins une fois par jour la crème hydratante ou émolliente sur la peau. Alors, docteur, avant que vous ne partiez, avant qu'on ne se sépare, je voudrais quand même que vous nous parliez de cette histoire de crise d'eczéma. Parce que j'entends souvent des gens dire il a fait une crise d'eczéma, il a fait une crise. Mais je dis des crises. Oui. Pourtant, ce sont des expressions qu'on entend beaucoup plus chez les drépanocytaires ou autres malades. Mais une crise d'eczéma, ça se passe comment? C'est quoi une crise d'eczéma en fait? Bon, une crise d'eczéma, comme je dis, on parle en fait de poussée. Une poussée d'eczéma. C'est-à-dire, c'est un sujet qui, au contact peut-être d'un allergène méconnu, va rapidement évoluer, face érythémateuse, vésiculeuse, et puis sur un temps. Donc, si c'est la jambe, c'est le visage qui est touché, ça fait une poussée, ça fait que la personne ne peut pas aller à son boulot, ça fait que la personne ne peut pas. C'est peut-être si c'est une personne qui travaille pour un média qui doit être apparent tout le temps, vous ne pouvez pas vous présenter. En un week-end, en 24-48, pour faire une poussée d'eczéma. Donc, Donc, on parle de crise lorsque la poussée est rapide. Est rapide, oui. Il y a moins de 3 heures de temps, vous avez changé tout votre visage, tout votre peau. En moins de 24 heures, oui, la peau a déjà changé. Donc. Merci, docteur Oscar Toa, d'être passé sur ce plateau, d'avoir édifié nos téléspectateurs sur une question aussi importante, même si on a souvent tendance à banaliser, mais l'eczéma, vous l'avez compris après toutes ces explications, qu'il faut faire attention. Docteur, merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie, Mireille. Nous entamons la deuxième partie qui est consacrée aux chroniques et le docteur Patrice Essimi nous parle de l'importance de bien prendre son médicament. C'est dans la chronique Parole aux pharmaciens. Je vous propose de l'écouter. Bonsoir chers téléspectateurs et Canada International. Le plaisir pour moi est renouvelé de vous retrouver aujourd'hui afin de changer sur une nouvelle thématique. Nous allons aborder l'importance de bien prendre son médicament. Déjà, c'est quoi le médicament? Le médicament se définit comme toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pourrait être administrée à l'homme ou à l'animal, en vue d'établir un diagnostic médical, restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques, immunologiques ou métaboliques. Déjà, à la base de cette définition, nous pouvons savoir ce qui est considéré comme médicament et ce qui ne l'est pas. Lorsqu'on vous délivre un médicament, généralement dans la plupart des cas, et cela s'ensuit des recommandations faites par votre médecin prescripteur ou par le pharmacien. Tous ces éléments participent à une bonne observance thérapeutique. Par exemple, si on vous demande de prendre un antibiotique pendant 10 jours, en raison d'un comprimé matin, midi, soir, et que vous décidez d'arrêter le traitement au bout de 6 jours, parce que vous vous sentez mieux, ce que vous faites par contre, c'est de non seulement de participer à la résistance antimicrobienne, parce que vous n'êtes pas allé au bout de votre traitement, il est fort probable que vous repartez 2 semaines, 3 semaines auprès de votre médecin ou auprès de votre pharmacien pour lui faire comprendre que ce médicament n'a pas eu l'effet escompté. Tout simplement parce que vous avez décidé d'arrêter le traitement au bout de 6 jours. Prenons un deuxième exemple. Votre pharmacien vous demande de prendre un antipyridien et vous lui recommande de le prendre pendant les repas ou tout juste après le repas.
vous vous décidez de le prendre à genoux. Vous constatez qu'au bout de 3 jours, il peut arriver que vous ne soyez pas totalement remis de votre pari. Or, vous avez décidé de ne pas respecter les recommandations qui ont été données par votre pharmacien. Pourquoi? Parce que le fait de prendre ce genre de médicaments pendant le repas a un impact sur le paramètre pharmacocinétique qu'on appelle la biodisponibilité. Et c'est un paramètre important pour la guérison. Maintenant, avec ces deux exemples, vous constatez qu'il est primordial de bien prendre son médicament, d'aller au bout du traitement, de respecter les doses prescrites et le moment de prise. Et en cas de doute, ou si vous avez oublié les recommandations qui ont été faites par votre médecin prescripteur ou pharmacien, vous retournez simplement à la pharmacie la plus proche chez vous, vous demandez à rencontrer le pharmacien qui se fera un plaisir de vous le réexpliquer à nouveau. Merci pour une prochaine capsule. À bientôt. À présent, donnons la parole au docteur Joël Manfaux. Il est chirurgien dentiste. Il va nous parler des dents de sagesse. C'est quoi les dents de sagesse? Chers téléspectateurs de Canal 2 International et de Check-up Santé, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle capsule de la chronique du dentiste. Aujourd'hui, nous allons parler des dents de sagesse. Alors, c'est quoi les dents de sagesse? Les dents de sagesse, ce sont les dernières dents à faire leur éruption dans la cavité buccale. Il s'agit des troisièmes molaires et généralement, ils vont faire leur éruption entre l'âge de 15 ans et l'âge de 26 ans. Ce sont des dents qui sont très souvent sujettes à de nombreux problèmes. Et l'une des raisons pour lesquelles ces dents posent généralement problème, c'est d'abord leur localisation parce qu'elles sont au fond de la cavité buccale et donc elles sont difficiles d'accès pour le nettoyage. En plus de ça, ce sont des dents qui sont incluses, c'est-à-dire qu'elles sont restées coincées dans l'os totalement ou partiellement et parfois cette situation entraîne de nombreux problèmes. On peut également citer le fait que ce sont des dents qui ont une anatomie et une morphologie parfois particulière, ce qui fait que parfois certains traitements sont difficiles à réaliser, voire impossibles sur ces dents-là. Alors, il existe plusieurs pathologies assez courantes de la dent de sagesse. La première qu'on pourrait citer, c'est bien évidemment la carie dentaire, due à la position de la dent de sagesse qui est tout au fond de la bouche et parfois difficile d'accès pour un bon nettoyage. Nous pouvons également citer ce qu'on appelle la péricoronarite, qui est une inflammation de la gencive tout autour de la dent et généralement particulièrement la dent de sagesse. Lorsque la dent est incluse, il arrive parfois que la gencive pousse au-dessus de la dent de sagesse et forme ce qu'on appelle un capuchon muqueux. Et au niveau de ce capuchon muqueux-là, entre le capuchon muqueux et la dent de sagesse, parfois des débris alimentaires peuvent s'insérer et entraîner donc l'inflammation de la gencive. Et à ces moments-là, on ressent parfois des douleurs très importantes qui peuvent irradier jusqu'à l'oreille et parfois c'est accompagné des fièvres. Nous avons également la carie de la deuxième molaire. Lorsque la dent de sagesse effectue son éruption de façon horizontale, cela crée un angle entre sa dent voisine, la deuxième molaire, et la dent de sagesse, ce qui fait que les débris alimentaires peuvent généralement s'incruster à ce niveau-là et c'est un milieu propice au développement de la carie dentaire. Nous pouvons également citer les sinusites d'origine dentaire. Lorsque la dent de sagesse, spécialement la dent de sagesse supérieure, est infectée, parfois, cette infection peut se propager au niveau du sinus maxillaire et entraîner ce qu'on appelle une sinusite d'origine dentaire. Nous avons également les malformations liées à la dent de sagesse. Lorsque la dent de sagesse fait son éruption, elle fait généralement son éruption très tard dans la cavité buccale, lorsque toutes les autres dents ont déjà réalisé leur éruption. Et parfois, en faisant son éruption, elle va entraîner donc un mouvement de ces autres dents-là et entraîner donc parfois un encombrement dentaire ou une autre dysharmonie dentaire. Concernant le traitement, tout dépend de la pathologie en présence. Lorsqu'il s'agit d'une carie, que ce soit la carie de la dent de sagesse ou la carie de la deuxième molaire, généralement on peut faire une obturation au composite. Si la carie est très basse au niveau de la deuxième molaire, c'est-à-dire qu'on a une carie plutôt radiculaire, parfois on est obligé d'extraire la deuxième molaire. Concernant la péricoronarite, le traitement va aller d'un simple détartrage avec prescription d'un bain de bouche antiseptique et aussi des antibiotiques parfois, à un traitement chirurgical appelé operculectomie qui va consister à faire une incision, à couper le capuchon muqueux responsable de la péricoronarite. Parfois, cela peut évoluer jusqu'à l'extraction de la dent en question. En cas de sinusite, le traitement sera en deux temps, un temps dentaire d'abord, pendant lequel on va traiter la dent, c'est-à-dire soit on va la dévitaliser, soit on va extraire cette dent de sagesse, et un temps sinusien
qui va permettre de traiter la sinusite en question, soit par la prescription d'antibiotiques et d'anti-inflammatoires, etc., ou bien encore un traitement chirurgical. Lorsqu'il s'agit des problèmes d'alignement dentaire, parfois on va réaliser l'extraction des dents de sagesse et on va associer un traitement orthodontique pour pouvoir réaligner les dents. C'est tout pour cette capsule de la chronique du dentiste et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Si vous avez d'autres préoccupations, si vous voulez nous faire part des thèmes d'émission abordés, n'hésitez pas, faites-les nous savoir via les adresses qui s'affichent au bas de vos écrans. N'oubliez pas qu'avec Check-Up, la santé n'est plus un tabou. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre thème. En attendant, restez en compagnie des programmes de Canada International qui se poursuivent. Bonne soirée à tous.